je m'appelle Géraldine, je suis belge. Ici au Pérou, ça fait un an et demi que je travaille donc, au centre Garnizo de Mostaza, qui est un centre pour enfants handicapés. C'est Hélène et Bénédicte, qui étaient les deux coopérantes avant Evelyne et moi, qui ont créé ce centre-là. Donc elles, leur mission, c'était, en tant qu'assistante sociale, donc c'est aller visiter les familles dans les bidonvilles. Et elles ont découvert pas mal d'enfants qui étaient cachés par les parents, parce que c'est encore une honte ici au Pérou d'avoir un enfant handicapé. Et donc elles ont eu l'idée de créer Granito. On a 7 enfants. Betsy, elle a un retard mental. Anna Luce, elle est autiste. Amélia et Yannette, elles ont une paralysie cérébrale. Hugo, il a un retard mental, Yon est trisomie 21 et Daisy un retard mental. Et donc je travaille avec deux personnes, je travaille avec la maman de Betsy et la sœur d'Anna Luz. C'est bien, tu as bien. Si, ça t'est à toi. Pas toute madre, c'est difficile. Je t'entends, parce que je aussi, comme madre, es triste con Bexy, yo también habré sufrido mucho. Yo no entiendo a la señora Feli porque, así como dice con Janet, ya no va a poder hacer nada, pero eso es mentira. O sea, yo pienso que debemos tener una esperanza y Dios sabe, ¿no?, lo que va a hacer. Tenemos que mantener la fe, creo yo. De un momento al otro no se recuerda, ¿no? Poco a poco. Es por eso que ahora debemos sentirnos felices porque gracias a ellos sabemos lo que sentimos. Pero aprendemos de muchas cosas. No nos debemos sentir así como la mamá de Janet, ¿no? Pero la verdad yo lo entiendo, porque es triste tener un hijo así.